Vous êtes nombreux à vouloir tenter l'aventure et à retrouver ce fichu voleur. J'en suis ravie, mais attention, seuls ceux à l'esprit le plus affûté seront dignes de me succéder. J'ai donc corsé indices et énigmes à venir. Chacune des énigmes vous révélera une caractéristique d'un des suspects et permettra de l'innocenter. À la fin de semaine, il n'en restera plus qu'un, ce sera donc le coupable. Vous êtes prêts? Branchez vos neurones. C'est parti pour la première énigme. Première énigme, indice 1. Le labyrinthe du faune. Aidez notre ami le faune à franchir ce labyrinthe. Tout au long de son périple, ramassez les lettres qu'en chemin il croise. Ces lettres constituent votre premier indice. Ah, ma première venue dans ces locaux, je m'y suis perdue. Heureusement, j'ai eu des très bons guides. Ce cher Albert est un homme charmant. À votre tour, suivez le faune. Indice 2. Saurez-vous déchiffrer le message en vous aidant de cette œuvre et de son cliché radiographié? La réponse à cette question est votre deuxième indice. J'adore les nouvelles technologies. Vous connaissez les rayons X? Pour ce nouvel indice, ils vous seront d'une grande utilité. Indice 3. Reproduisez ce code verticalement sur une bandelette de papier aux dimensions suivantes. 1 cm sur 18 cm. Munissez-vous d'un crayon Bic. Voici tout ce dont vous aurez besoin pour découvrir ce troisième indice. J'affectionne tout particulièrement les codes. J'en ai trouvé un inventé pendant l'Antiquité. Mais je ne me souviens pas du nom. C'est le code? Le code Cita? Je ne me souviens pas. À vous de jouer. Première énigme. Les indices récoltés précédemment sont trois éléments que vous devriez retrouver dans les tableaux ci-dessous. Mais un seul des deux les met tous en scène. C'est sur celui-ci que vous devrez porter votre attention pour la suite. Sept lettres se sont glissées entre le tableau d'origine et celui retravaillé par Madame Meltou. Retrouvez-les. Les lettres, une fois remises dans l'ordre, donnent la réponse à la première énigme. Alors, qui des suspects pouvez-vous innocenter aujourd'hui? Odette de jeu, Ignastico, Louis Fine, Luxurieux ou Irmalaya? Prenez le temps de la réflexion et nous, on se retrouve dans 2 jours, ici même heure, 18h, pour continuer la suite de l'aventure. N'oubliez pas qu'un point bonus est toujours en jeu. Demain dimanche, le musée Albert André sera ouvert. Pour les enquêteurs de terrain, n'hésitez pas à vous y rendre pour visiter, mais également pour observer la scène de crime et trouver le nom du tableau volé. Remplissez bien votre carnet d'enquêteurs. Toutes les informations durant la semaine vous seront utiles. À très bientôt. Bonne enquête.